Nous sommes le 29 mars 2015 sur la 77e édition de Ganvevel Game, balayée par le vent et la pluie. La première moitié de la course a été marquée notamment par les bordures, les chutes et une échappée matinale. Puis il va y avoir 9 monts à gravir dans la seconde moitié de la course. 39 coureurs vont franchir seulement la ligne. Jürgen Rolands, comme vous avez vu sur les images, a anticipé la bataille à plus de 60 km de l'arrivée. Il va être pris par un groupe de chasse avec Geraint Thomas, vainqueur du Grand Prix E3, Niki Terpstra, Stijn Vandenberg, le champion de Belgique de Buchère, Van Mark deuxième en 2010, et Rolands, lui, a été distancé de ce groupe de tête alors qu'à 6 km de l'arrivée, l'Italien de la formation Katusha, Luca Paolini, vainqueur du Umlaut et Newsblad en 2013, vainqueur d'une étape de la Vuelta en 2006, d'une étape du Giro en 2013 et de la Flèche Brabançonne en 2004, le Milanais âgé de 38 ans va résister au retour de ses poursuivants et va permettre à l'Italie de décrocher un 7e succès sur la classique belge après Moser en 79, Botempi en 84 et 86 et Cipollini en 92, 93 et 2002. Tandis que derrière, vous voyez Niki Terpstra franchir la ligne devant le Gallois Geraint Thomas. Stijn Vandenberg termine 4e, De Buchère 5e, 6e Van Mark, 7e Rolands, 8e Os, 9e Christophe, 10e Sagan. Ciao tout le monde.